Amis de la vape, bonjour, c'est Az, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Vape Encore. Et donc, pour cette 13e ou 14e, j'en sais absolument plus rien, je voulais faire donc une petite revue, un petit retour sur un atto que j'ai reçu, commandé chez Fastetech. Donc, l'atto, c'est un V13 RDA. Après, pour le reste, je ne sais pas plus. C'est donc un atto goutte à goutte, un dripper pour les amis des. Et donc ça se présente comme cela. C'est plutôt bien usiné. Il y a pas de problème sur la finition. La connexion est très bien. Simple mais bien. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente le petit plateau. Alors, le petit plateau, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Un centre isolé avec le plus sur le côté, le moins, et voilà, ça se présente comme pas mal d'autres atouts du même genre. Voilà, c'est tout simple. En général, j'évite le bricolage en direct parce que je suis plutôt empoté. Alors, deuxième chose, faut que je la retrouve. Nous avons dessus des petits trous qui permettent bien sûr d'alimenter en air la résistance, autrement ça va faire beaucoup moins bien. Et ce qui est super bien fait, c'est qu'avec la petite bague, donc si elle veut bien, je vais y arriver, je sais que je peux le faire, c'est qu'avec cette petite bague, voilà, quand on la fait tourner, elle vient obturer le tirant d'air pour l'amener exactement comme vous aimez. Et je vous garantis que si vous le fermez, j'ai pourtant des poumons, je vous garantis que vous ne voyez rien. Donc moi je vape en mode tirant d'air libre. Enfin, quand je dis libre, dans la mesure de ce qu'il peut nous offrir, bien sûr, c'est-à-dire que je mets les petits trous libres, et je vous assure, ça va très bien. Alors, le petit drip tip dessus, voilà, c'est petit drip tip qui tient bien, quelque chose de mignon. Voilà, un petit drip tip d'origine qui va avec la tour, franchement, c'est, je trouve que c'est quand même pas mal du beau matos, surtout si je vous dis que j'ai payé ça 5 euros hein. En tenant compte de la conversion, moi je dois être à 5 euros, un truc comme ça. Donc ce joli petit truc, je vais reprendre mon bon vieux cassant que tout le monde va finir par connaître, bien qu'a bien vécu, batterie en courant de vie toujours 18650, 3400 mAh. Voilà. Hop là. On met ça dessus. J'essaye quand même de mettre le tirant d'air en face de la résistance, ce qui est beaucoup mieux quand même pour vaper. Et on va voir ça. C'est quand même beaucoup mieux quand il y a du liquide. On peut mettre un petit peu de tabac brun de chez Vapmisty. Hop là. C'est reparti. Ça ira mieux avec quelques gouttes dedans. Ce truc, désolé pour la vapeur, ce truc c'est une usine à vapeur.
ça donne une vapeur super. Là je suis en 70-30, hein. Imaginez en 50-50 ou en 100% VG. Là, McCormick, où es-tu? C'est un truc de fou, quoi. Donc, vraiment, puis une restitution du goût. Là, je suis sur mon tabac brun habituel, mais vraiment, ça donne un goût du tonnerre. Franchement, c'est un petit tato si vous avez de la patience. Bien que moi, comme j'ai reçu ma commande, en une semaine, elle était envoyée. Je l'ai reçue, je crois que m'a fallu, je sais pas de bêtises, du 12 au 19, elle était en France. Ouais, 7 jours pour qu'elle arrive en France. Après, le temps qu'elle arrive chez moi, il a fallu à peine 48 heures. C'est pas bien méchant, quoi. Franchement, pour moins de 6 euros, un atout goutte à goutte comme ça, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Ça a pas, c'est pas un truc de nom, c'est pas un truc très renommé, je l'ai pas vu avant personnellement. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec un atout goutte à goutte, si vous en avez un, essayez un. Franchement, pour le prix, essayez celui-là. Hein, c'est. Franchement, il y a rien à redire, ça. Il parle de lui-même, quoi. Vraiment, il est impeccable. Hein. Donc, c'est le V13 RDA de chez Fastech. Que vous dire de plus, hein. Vous l'avez vu. Vous avez vu comment il vape. Je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Hein. Donc, comme toujours, à part vous souhaiter une bonne vape, et à bientôt, et merci d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.